Pour le coup, on est fourgon. On a une camionnette. Allez, c'est parti, on y va. Nous avons 350 km, 5-6 heures, direction Sapa. C'est notre premier vrai voyage depuis le Covid. Alors, bienvenue au Vietnam, on vient d'atterrir à Hanoï et là on s'en va à Sapa. On a 350 km à faire, donc c'est environ 5 heures de route. On a pris un van, voilà, on a un gros van pour nous tout seul pour le coup, puisque on voulait pas prendre le train de nuit, on voulait pas prendre non plus les bus de nuit. C'était beaucoup plus simple quand même avec les enfants de... Coucou! Vous voyez Mariam tout au fond, comme je vous disais, il y a de l'espace hein, pour le coup. Donc 350 km direction le nord-ouest du Vietnam, Sapa, c'est une petite cité perchée à environ 1600 mètres d'altitude qui est magnifique, plein de montagnes, des rizières. On va faire un trek, on commence un trek demain avec Ethos. Vous en parlerez plus tard, voilà, j'ai trouvé sur un blog et en fait je les ai contactés. Ce qui est intéressant avec cette agence, c'est qu'elle propose des treks, mais des treks avec les minorités. Et donc du coup, bah, voilà, votre argent va vraiment aider des familles. Pour demain, c'est 12 km à mettre, c'est ça? 12 km et après-demain, je crois que c'est 8, 6 ou 8. Et ensuite, c'est un long voyage, accrochez-vous parce qu'en fait, on va visiter le Vietnam du nord au sud en nous arrêtant dans différentes villes. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Direction Sapa, notre première destination ici au Vietnam. On a quitté l'autoroute et là on est vraiment en train de monter. On est à combien de mètres? On est à 700 mètres d'altitude là et on va monter jusqu'à 1700. Donc là c'est plus de la route, c'est de la piste. On est enfin arrivé à Sapa, il est exactement 10 heures. Combien d'heures on a mis? 5 heures. 5 heures. On a démarré à 5 heures? On a démarré à 6 heures. Bah ça va, 4 heures. Ok, 4 heures. Donc on est à Sapa, il fait nuit, on va manger, on va dormir puisque demain on va commencer le Sapa Express. Allez filles, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, mais ouais, ça fait du bien de voir toutes ces lumières parce que je vous assure qu'on était vraiment dans le noir. C'est pas bien s'il pleut. Dans plein de routes sinueuses. Il fait super bon, il fait super bon. On sent qu'on est à la montagne. Franchement, les enfants ils sont choqués. Ils m'ont dit: maman, on dirait la France, on dirait la France. En sachant que les enfants connaissent la France au mois de décembre. Donc pour vous dire que vraiment il fait bon. Et j'ai trop hâte. Voilà, on va passer une bonne nuit, Inch'Allah. Et demain, on va attaquer le trek 12 km. Bon, on verra. Comme Pékin Express, là c'est Sapa Express. C'est plus que Pékin Express. Oui, parce que Pékin Express, on a regardé, c'était combien? 6-9 km. Donc si tu fais 12 km, bah, Pékin Express, on pourra le faire le doigt dans le nez. Oui? Oui. Alors la vue, elle est magnifique. Malheureusement, là, on voit rien. Oui, il y a un grand balcon. Voilà, on est parti faire un tour, mais franchement, niveau halal, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, on va se rabattre sur du maïs et banane flambée. Voilà, ce sera notre dîner ce soir. Ça va, Mariam? Oui. Regarde, avec les bananes au-dessus. Il est 7h du matin. Il est 7h du matin. Et là, on va découvrir la vue qu'on n'a pas pu voir hier. Ah, regardez où est-ce qu'on est. Waouh. Bon, on va prendre le petit déjeuner et on va démarrer tout doucement. On va réveiller les enfants. Les filles, regardez la vue. Rania, Haroun, look at les montagnes. Haroun, les montagnes. Waouh. Viens. Comme maman, la porte est bien. Viens voir les montagnes. Viens les montagnes. Trop cool. Wow, trop cool. Oh, c'est clair qu'il fait froid par rapport à Singapour. T'entends le coq? Tu entends? On y va? Voilà, donc on est à l'agence Ethos. Et donc, on va commencer le trek. On a notre guide qui est là. Hi. Et voilà, donc on va d'abord prendre un petit thé, papoter un peu, voir l'itinéraire et ensuite on va décoller. Je vous montre les costumes locaux, ils sont juste magnifiques. Thé. Nice. Thank you. Very smelly. Quang and Hanoi are made up of one ethnic group. We have rice, so breakfast, lunch and dinner. One meal will be 3 bowls of rice. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Ouh, regardez Buffalo.
Ok, donc voilà, c'est parti. Donc là, on prend un taxi qui va nous déposer au début de l'endroit où on va commencer en fait le trek. On est avec, il pleut. On va voir. J'espère que ça va se calmer. Voilà, les enfants sont super excités. On est prêts. C'est parti pour je sais pas combien de kilomètres. 5 kilomètres. On s'arrête pour prendre le repas chez elle. Bon, ça a commencé là. Franchement, mine de rien. Waouh, ça glisse. Ça glisse. Heureusement, on a des bonnes chaussures. On a les bâtons et tout. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir. Il a marché 2,5 km et là maintenant il veut que je le porte. Allez-y. Le porte bébé. Oh, yeah. Ça y est, Haroun, il est sur mon dos. T'as bien marché, t'as marché 2,5 km. Regarde Haroun, ça c'est du maïs. Du maïs. Yeah. 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 Wow, purée, ça monte. Hein. Yeah. Il nous reste combien de kilomètres? Vous ne voulez pas savoir. On marche, c'est tout. Mais il fait super bon. On a la chance, il pleut pas. Hein. Il arrête de pleuvoir, donc ouais. On va s'arrêter, on va faire un break, on va manger. Ouais, le pauvre, il y a plein d'enfants en train de travailler, dans les champs, partout. En train de porter des bambous et autres. Les filles sont derrière avec le guide. Alors cette plante que vous voyez aussi ici, c'est ce qu'ils utilisent pour colorer les vêtements. Ici on a du cannabis, ils l'utilisent essentiellement pour faire... Ouais, c'est ça, sent le joint. Du joint gratuit. Ils l'utilisent ici essentiellement pour les vêtements, pour faire les... Ici, c'est la plante qui permet de faire du tabac. Ça monte. On y est presque, mais là on n'en peut plus. On y est, regardez, il y a les enfants, ces enfants qui nous font signe. Qui nous font signe, on va dans la maison là, ici. Ah, on est arrivé. Yes. Wouhou. Ah, on est au milieu de nulle part. Ah. Ok, so kitchen here. Ok. That's the kitchen. This is a fire. Oh, look at you, Haroun. So what do you cook inside this one? Anything? Yeah, you can cook anything, but today is hot. So she don't want my fire. Okay. And she cook in the gas. Okay. But pour some more. So you store all the rice on top? Yeah, all the rice in the top, yes. Okay. Haroun est en train de jouer. T'as un copain? Oui. Oui. Et les filles, elles sont en train de jouer au loup. Elles sont en train de jouer à l'intérieur au loup, là. Mariam, you take the tofu and Mariam, you can take this. Tiens, ça ramène là-bas. I thought maybe the here Josie likes spring onion. Ah, okay. Are you okay? You did plain one. Okay. Yeah, my husband with spring onion. Okay. Yeah. Donc je vous montre, regardez l'intérieur. Comme il nous expliquait, en fait, il n'y a pas de fenêtre du tout. Vous voyez. Donc ce sont des panneaux en bois. Donc c'est vraiment très simple. Très peu de mobilier. Et ils nous ont préparé un repas végétarien du coup. Donc on a ici du tofu, des œufs, du riz et des légumes. Le soleil est sorti, cool! Ça fait du bien.
continue la deuxième partie du trek. On va descendre en fait plus bas dans la vallée. Il fait chaud, le soleil est là. Et les filles, franchement, je suis épatée. Haroun, il a marché. Je l'ai porté peut-être une demi-heure, pas plus. Hein, Haroun? But that she do outdoor. Okay, beautiful. And this one is hemp. Okay. So first like this, but maybe that in the indigo they get blue like. Oh yeah, 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 yeah. Okay. Sur les rizières, dans les rizières plutôt, et je vous assure c'est rikiki et c'est chaud, franchement c'est chaud. Voilà, donc là maintenant on va descendre vers le village que vous pouvez voir tout en bas, mais c'est magnifique. Et vous voyez comment les rizières elles sont belles, regardez, c'est magnifique, c'est un vert, on dirait un vert fluo. Bon, il nous reste 1h30 et là on a passé ce grand passage, cette descente avec plein de boue. On a de la boue partout. Et là, ça remonte tout doucement. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et il fait super bon. Donc, c'est super agréable, franchement. It's called Hotar Village. Okay. It's a black moon leaf here. Okay. So we are going? We are going over the other side of the river, and that's Tavan Village. And we're going to stay with the Zai family tonight. Okay. Yeah, perfect. Yes. Let's go. On y est presque. Ahmed, ça va? Ouais. On s'attendait pas du tout. Et le soleil est sorti, mais un truc de dingue là. Waouh. Et les rivières sont magnifiques. Sorry. Yeah, on est arrivé. On va à Tavan. Voilà, on a rejoint la route. On est descendu de, je sais pas, quelque part là-bas. Ah, waouh. Et le village, il est là-bas. Quelque part là-bas. Ah. Et voilà le pont qu'on voyait de tout en haut. Ah. Ah. Oh non, it's too painful. Wow! Oh my gosh, look at this bridge! Very warm. Yes, Haroun, il s'est réveillé. Ça y est, le soleil se couche bientôt. We came from there. T'as ouvert ou pas? Bon, on y est presque. On y est presque, Ahmed. Une de ces montées. Alors, c'était cool. Oh, c'était bien. Franchement, c'est. C'était différent de Philippines. Ouais. Mais. Non, c'était bien. C'était bien, c'est sûr. Ah. Non, ça fait mal aux pieds quand même. Il y a beaucoup de descentes. Eh, c'était pas 12 km. 16. On a fait 16 km en fait. On a fait 16 km et il y avait beaucoup de montées, de descentes. Et en fait, les descentes, ça tue les pieds. Les orteils. Les orteils et les genoux aussi. Les orteils. Ah. Donc voilà, on y est presque et. Moi j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche. J'ai dit aux filles, là, c'est Rania, elle m'a dit Pékin Express, j'ai dit c'est pas Pékin Express. Elle est motivée Rania, regardez-moi ça. Et alors Haroun, ça, purée Haroun, je suis choquée. Je l'ai porté sincèrement 1 heure maximum. Il a quasiment marché tout le temps.
Et il voulait pas, il voulait juste donner la main, regardez, il est même pas avec moi. Il voulait il raconte sa vie à la NT. Okay, il lui raconte sa vie. Et donc du coup, bah tant mieux. Ah, attention, mais parce que t'es lassé. C'est pas bon. Bravo. Bravo. Bien joué. Voilà, on est au Tin Hong Homestay. Ah, en plein milieu du village. 5 Haroun, 5, bravo Haroun. Haroun, bravo. Bravo. Super héros. Bravo. Ok, bon, voilà. Oh, végétarien, on a des spring rolls avec des oignons, pommes de terre, tofu, des légumes et je pense qu'il y aura du riz bien sûr. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On descend, on était tout en haut quelque part là-bas, vous voyez? Tout en haut, tout en haut, tout en haut. It's called Ilingho Village. Ilingho, so we go to Ilingho Village today. Ilingho Village, yeah. So how long we have to walk to go there? Many hours yes, to go? Yes, we could go like 1.5 hours to the Ilingho Village. Yes. And then having lunch there. Yes. And after lunch, we walk to the other village. Okay, okay, yes. Voilà. Il pleut là ce matin. Voilà, donc vous voyez sur la route, il y a des petites boutiques comme ça. Hi. Avec des légumes. Des fruits, vous avez de la viande fraîche directement comme ça et plein de petites choses et vous avez aussi de l'essence. Alors c'est là-bas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui louent des scooters. Vous pouvez acheter votre essence comme ça, vous pouvez acheter l'essence en bouteille comme ça. Donc, voilà, en fait ça ce sont des feuilles de riz qu'ils brûlent. Les feuilles de riz? Ouais, ok, et en fait donc ils brûlent les feuilles de riz et ils les utilisent comme fertilisant. And, yeah, indigo yeah. Blue, but can indigo, this one can and, yeah to paint the fabric, but this one cannot remove. Yeah, 3 days if any, 3 days. Oh, 3 days and then the, okay, yeah. Okay, yeah. Understand. Bon, on a donné le choix aux filles entre cette route et cette route qui est beaucoup plus un peu plus galère et en fait elles ont choisi celle-ci, donc on y va. Let's go. Je vous dis que ça monte hein. Oh. Allez. Allez Haroun. Allez Haroun. Oh là là, la montée. C'est vous qui avez choisi ce chemin les filles hein. Mariam elle me dit c'est encore pire. Ah j'en veux plus. C'est vrai c'était qu'une petite montée mais je vous assure. Avec 20 kilos sur le dos, on les sent. C'est quoi de ce chemin que vous avez choisi? Allez go. Mon dieu ça monte, ça monte, ça monte. Ah. Ton pull est trempé. On y va. Et vous avez allez, 30-40 cm pour marcher et vous avez les rizières qui sont juste là. On est dans les rizières. Alors ils ont une tradition, c'est que les femmes quand elles se marient, elles ne coupent plus leurs cheveux. Right, so? So how long have you been married now? 18 years. Oh, okay, 18 years. Yeah. On est arrivé au Ilingho Village. On va manger là-bas, chez une famille. J'aurais même pas parlé. Allez, on y va. Avançons.
Ça va mon cœur? Là c'est pas possible. Sweetie. Yeah, I'm sweetie, yes. Me too, I'm sweetie all the time. Wow, but the view was nice. Beautiful. Oh, on est arrivé, bravo. Bravo les filles. Bravo Haroun. Bravo Haroun. Five. Bravo. Bravo. Les filles, franchement, vous êtes épatantes. Magnifique. Et il y a une dame qui est en train de faire un tapis, je crois. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? She's weaving. Wow. That's the hemp, the shank. Oh. 4, 6. This is the hemp for this green. But after she cooked with the ash water for 3 days, and then the skin came off, and then we get white like this. Yeah. Jusqu'en bas, tu te vas jusqu'en bas, Lania. Yeah. Descends jusqu'en bas avec ton pied. C'est bien, alors en plus c'est un travail d'équipe là, les filles elles font ça à deux, elles ont compris enfin le principe. Bravo. Tu pousses, voilà, tu passes le fil. You like to show, they can afford them. Yeah, you can just try like this. Yeah, you can try like this. You do like this. Cook. Oh. Woo. Try. Can? Bon, les filles elles veulent même pas manger là. Il y en a une qui est à fond dans le tissage et on a donc pris encore une fois un repas végétarien, que du riz, des légumes et des œufs. Et vous voyez, on est ici. Perdu quelque part dans les montagnes, vous voyez les nuages. On est dans les nuages. On arrive à la fin du trek, le taxi est là-bas, vous le voyez? Le taxi blanc, c'est parti pour les dernières marches. Ouais, on est venu de loin, on a marché je ne sais pas combien de temps, mais c'est exceptionnel. J'espère en tout cas que vous allez aimer les images qu'on a filmées pour vous et pour nous, bien sûr. Franchement, c'est juste magnifique, franchement c'est magnifique. Ça a pas un gros coup de cœur. On hésitait un peu et on a bien fait de l'avoir. Voilà, on a terminé le trek. Ouais. How many kilometers we walk today? 9 to 10 kilometers. So yes. 26 kilometers. 26? Yesterday 16, and today, c'est ça? Yes. And today 26 kilometers. Ouais, environ. No. 26? Combien aujourd'hui? 10, oui, 10. Et hier 16. Ça fait 26 kilomètres. On a fait 26 kilomètres. Franchement, les filles, bravo, 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 Haroun!
Bravo, bravo Haroun. Franchement, c'était cool. Donc là, on va récupérer nos affaires et direction Hanoï. Je vous donne rendez-vous à Hanoï. J'espère en tout cas que, bah, que ce trip vous aura plu. Et bravo encore les filles. Vous avez, remporté une amulette. 10 amulettes vous avez remporté les filles. Yes, yes, yes. Voilà, on va faire la conclusion de cette première partie à Sapa. Donc on est dans le bus qui nous ramène à Hanoï. On a un bus pour nous toutes seules. Enfin, bus, non, en fait, c'est un genre de minivan privé. Alors pour le coup, celui-là, il est top. On a du wifi, on a... Ah, il y a une télé, oui, il y a une télévision. On a des fauteuils massants. On est bien, franchement on est bien, on s'est pris une boisson chaude parce que mine de rien, la dernière partie, la dernière portion du trek, il faisait vraiment frais en fait. Voilà, c'est magnifique, on est en train de quitter, on est en train de redescendre en fait, on descend. Hein, les filles, vous sentez qu'on descend? Moi, mes oreilles, elles n'arrêtent pas de se... Mes oreilles se bouchent. On est en train de redescendre et c'était vraiment top. On a passé deux journées... à visiter en fait les villages, les rizières, voilà, on a parcouru 26 km et franchement les enfants m'ont épaté. À Haroun hier, il a marché, je sais pas combien de kilomètres il a marché puisque hier on a fait 16 km et je l'ai porté moins d'une heure. Aujourd'hui il était un peu plus fatigué mais ça tombait bien parce que franchement ça a été un peu difficile aujourd'hui au niveau des montées etc, donc je préfère quand même l'avoir sur le dos, mais c'était vraiment top. La guide qu'on avait était vraiment top, étant donné qu'elle parlait très bien l'anglais, on a pu poser plein de questions, découvrir plein de choses sur les différentes ethnies etc, et surtout bah, l'agence avec laquelle on a organisé, c'est pas sponsorisé, j'ai rien du tout, j'ai pas de code promo ni quoi que ce soit, cette agence s'appelle Ethos, je l'ai trouvé sur le blog d'un voyageur tout simplement, et franchement c'était juste top. Alors le trek qu'on a fait, ça s'appelle le Spirit Trek. Donc, Spirit Tree. Pardon? Spirit Tree. C'est ce que j'ai dit? Non, Spirit Trek. Oh, c'est le Spirit Tree Trek. Ils ont différents treks. Vous pouvez choisir un trek à la journée, deux jours, trois jours. Il y a différentes. Vous pouvez choisir si vous voulez. Que ça soit plus axé culture ou plus à la rencontre des personnes etc, en tout cas c'était vraiment top, et écoutez, je vous dis à très vite, on se retrouve à Hanoï, on a 5 heures de route qui nous séparent d'Hanoï, et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, prochain vlog Hanoï. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à faire à Hanoï, et surtout je pense que ça sera super différent de ce qu'on a pu voir ici à Sapa. Bye.